Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Dans la vidéo d'aujourd'hui, mes amis, on va vous montrer une astuce pour que vous puissiez afficher les applications qui se trouvent dans le Sideload Launcher directement en les ajoutant dans un nouveau raccourci pour les applications et les mettre en favori. Donc, beaucoup d'entre vous nous ont posé la question et qu'ils ont des applications qui peuvent avoir accès directement via le Sideload Launcher, mais malheureusement, ils ne peuvent pas les ajouter directement sur la barre des applications favorites existantes des Android TV. Pour cela, mes amis, ne vous inquiétez pas, on a la solution aujourd'hui pour vous. Une solution très simple et que tout le monde pourra réaliser et faire. Donc, tout d'abord, mes amis, vous allez vous rendre sur le Google Play Store. Ensuite, vous allez chercher l'application Desktop Manager. Donc, voilà, mes amis, une fois que vous avez trouvé l'application, vous procédez à l'installation de l'application. Elle est vraiment safe, l'application. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à l'application. Une fois l'application installée, vous cliquez sur « Ouvrir » et bien sûr, accepter les autorisations. Ensuite, juste sélectionner les applications que vous souhaitez ajouter dans la nouvelle barre de favoris et que vous n'avez pas accès sur la barre des applications favorites d'origine. Donc, je vais juste choisir quelques-unes pour démonstration. Donc, une fois que vous avez choisi les applications, vous fermez l'application, vous descendez complètement vers le bas et comme vous le voyez, vous avez les applications que je viens de choisir qui s'affichent tout en bas. Ensuite, vous pouvez laisser les applications ici, comme bon vous semble. Autrement, vous pourrez les déplacer et les mettre directement en bas de la barre des favoris qui se trouve déjà sur votre menu qui vient à l'origine avec toutes les Android TV. Donc, vous descendez vers la nouvelle barre de favoris. Vous cliquez sur la flèche gauche de votre souris. Vous cliquez sur OK. Ensuite, vous allez déplacer la barre des favoris et la mettre directement en bas de celle qui existe déjà et vous aurez accès à vos autres applications qui n'étaient pas ou ce qui n'était pas possible auparavant. Donc voilà mes amis, c'est une astuce très simple et vraiment qui va vous aider à avoir un accès rapide aux applications que vous ne pouvez pas ajouter à la barre des favoris et cela rapidement en créant des raccourcis. Donc comme vous l'avez vu mes amis, ça m'a nécessité à peu près 2 minutes pour réaliser tout ça, donc ce qui est vraiment extraordinaire. Autrement mes amis, si vous avez aimé l'astuce et la vidéo, n'oubliez pas de la liker et bien sûr de la partager avec vos amis, peut-être cela va aider beaucoup d'entre eux. Autrement mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles astuces et de nouveaux tutos. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver. Bye et bonsoir.